première nuit a été bien agitée. Et puis la nuit prochaine sera probablement agitée aussi. Donc il y a du sport en ce moment à Bordes Actual. Et on essaye de naviguer quand même un peu en course, mais assez prudemment. Deux systèmes moi, d'aérien pour capter la force et la vitesse du vent, il y a des trucs en tête de main. Et les deux sont tombés en panne une demi-heure l'un après l'autre. Notre troisième départ de Qashqai, ça marche plutôt bien. Et on va essayer de rattraper nos petits camarades qui sont 24 heures devant. Hein, en tout cas, bien content d'être en mer. Sur cette route du Rhum, il vaut mieux être en mer qu'à terre. Ça c'est certain. Dernier pantage vient de tomber là. Donc pendant qu'on préparait les Obécon, on a fait la dernière heure en 22,5 au 291. Donc c'est pas mal. Même si on se fait plaisir, on reste concentré. On se dirige gentiment vers les places de quatrième. Les quatrièmes avec des Obécon. Ceci dit, j'aurais été premier, j'aurais des Obécon aussi. Hein. Mais. Franchir la ligne d'arrivée en passant la bouée du bon côté, parce qu'il y a 4 ans j'étais passé de l'autre côté. En une demi-heure j'ai cassé les deux aériens. Je pouvais continuer, mais après c'est du convoyage. Hein. C'est-à-dire que si t'as plus de notion de vent, on peut pas attaquer comme on fait au portant. Maintenant la déception elle est avalée depuis un bout de temps, mais elle est toujours là. Il n'y a pas une journée, ou même plus que ça, il n'y a pas une heure où je me dis ah, c'est con quoi. C'est con parce que j'avais largement de quoi tenir la cadence de Erwan qui a fait une super course. Hein.